Boubou et compagnie vous présente. Boubou et compagnie vous présente. Et c'est l'heure. Bon, on a encore un peu de travail à faire. J'avais pas vu qu'il le disait deux fois, là. Mais merci, Olivier, quand même. C'est l'heure de notre chronique « Qu'est-ce qu'on mange? » avec la seule et l'unique Roxane. Ah, c'est donc bien cool! Ah, je me suis dit, je vais me faire un petit quelque chose pour quand on commence ensemble comme ça, là. Je pensais à toi tantôt, j'ai fait... J'ai écouté une toune de Police dans le char, puis il me semble que ça disait son nom. C'est vrai, merci. Roxane Cuisine, que vous pouvez suivre et que vous avez peut-être déjà vu dans vos supermarchés, puisqu'elle est un petit peu partout, pas plus tard qu'en fin de semaine. Moi, je suis allé faire les courses, j'ai dit « Hey, c'est le livre de Roxane! » Yes, le livre Roxane Cuisine qui est toujours là pour vous, avec de belles stratégies. On est anti-diète ici. Exact. Et ouais. On y va avec les belles habitudes de vie. Et oui. Aujourd'hui, parce que de semaine en semaine, on se promène de sujets plus tabous les uns que les autres. On change de temps en temps. Et là, cette semaine, tu es à la barre. C'est toi qui as le bateau. C'est toi qui mène. Parce qu'on parle de ménopause. Yes! Parce que moi, ma clientèle est surtout, je te dirais, dans l'âge de ces chamboulements hormonaux-là. Mm-hmm. Puis malheureusement, j'ai l'impression que les femmes qui sont dans la pré ou la ménopause ont souvent tendance à croire que, étant donné cette période-là, qu'on n'a pas le choix de passer, mm-hmm. la perte de poids est impossible. Puis, OK, parce que c'est pas le moment que c'est possible de le faire, puis c'est plus fort que toi. Oui, puis c'est généralement, on ne veut pas avec la ménopause, les chamboulements hormonaux, il va y avoir une prise de poids qui va se faire pendant cette période-là, qui est en fait due au fait qu'à partir de 40 à 50 ans et plus, le métabolisme de base va diminuer. Mm-hmm. Fait que ça, le métabolisme, c'est les calories, l'énergie que tu dépenses au repos et à l'effort. Donc, ces femmes-là, en ménopause, vont avoir un métabolisme réduit. Ça veut dire qu'il va brûler moins d'énergie, de calories. Fait que même si tu manges la même chose que ce que tu mangeais deux, trois ans après, mais là, vu que ton corps est justement beaucoup plus lent, ben tu vas te reposer alors que tu vas dire « Hey, mais j'ai gardé mes saines habitudes de vie. » C'est tout à fait ça. Puis tu as non seulement le métabolisme qui diminue, mais souvent, on constate aussi une perte de masse musculaire. Puis tu sais, les muscles, ça, là, ça va t'engruger l'énergie, ça va t'en faire dépenser. Fait que tu as le métabolisme plus lent, tu as une diminution de la masse musculaire, fait que oui, tu vas dépenser moins, même si tu continues à faire tes entraînements. Puis si une femme ne change pas son alimentation, comme tu disais, il va avoir une prise de poids. Fait que c'est, des fois, c'est très frustrant pour la femme. Elle est comme, mais voyons, j'ai rien changé. Je mange encore comme d'habitude. Je suis aussi active. Je prends du poids. Je comprends rien, puis c'est frustrant. Puis j'imagine que quand tu commences à vivre cette frustration, là, je comprends que je suis pas là. Tu sais, je suis pas là, moi, dans ma vie. Mais lorsque tu continues de tout faire bien, là, j'imagine que c'est là que la ménopause devient plus tabou et plus frustrant parce que tu le vis et c'est imposé à toi. Ouais. Oh oui, je veux dire, c'est partie de la vie de la femme. T'sais, on va, c'est un passage obligé. Puis c'est là souvent le danger que ces femmes-là voient une prise de poids malgré une alimentation assez variée, saine, un mode de vie actif. Fait que là, pour perdre du poids, qu'ils vont faire, ils vont se garocher dans les régimes. Tu sais, puis c'est pas là qu'ils vont réussir à perdre du poids durablement. Donc, comme j'ai dit, si on change rien à son alimentation, on va se trouver avec un excédent calorique, donc une prise de poids, qui est en moyenne, là, pendant la ménopause, de 5 à 8 livres. C'est pas énorme. Non. Mais pour une femme, ça fait suer pareil, tu sais. Surtout que la prise de poids va se localiser plus au niveau de l'abdomen. On le voit souvent ça chez la femme parce que ménopause, c'est égal à bouleversement hormonaux, puis ça va affecter au niveau de l'abdomen. Si, encore là, la femme ménopausée qui a un métabolisme réduit, qui a une masse musculaire diminuée, suit un régime restrictif, les régimes aussi restrictifs vont jouer sur le métabolisme. OK. Fait qu'au lieu de t'aider à perdre du poids, c'est le contraire, tu vas rendre ça encore plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que, faut regarder, voir si c'est possible d'améliorer encore un petit peu plus son alimentation. Faut vraiment pas aller dans la restriction, c'est encore plus, c'est un piège, OK? Fait que, est-ce qu'il y a des habitudes alimentaires qui peut-être sont de trop? C'est le grignotage le soir avant le dodo. On regarde ça. Changer quelques habitudes peut-être aussi. Est-ce que c'est possible d'augmenter notre niveau d'activité physique également? T'sais, ça peut être d'augmenter notre fréquence, notre durée d'entraînement ou d'intensité pour venir faire un petit choc à notre corps.
qui est probablement déjà habitué dans tes entraînements. Et veux pas, oui, là, présentement, ça te fait du bien. Mais si tu te pousses un petit peu, tu vas pousser ton corps, ça va revenir balancer. Est-ce que je comprends bien? Oui, exactement. Puis ça, c'est pour tout le monde, dans le fond. Okay. Là, autant ménopausé ou pas, homme-femme. Tu sais, les personnes, mettons, ma clientèle aime beaucoup marcher. Je vais leur recommander. Est-ce que c'est possible d'intégrer des petits intervalles pour commencer? Des petits intervalles d'un jogging léger. Tu sais, commence pas à faire un sprint de 45 secondes. Là, tu vas dire c'est pas faisable. Là. Fait que c'est des choses comme ça qu'on va aller. Puis justement, avec nos détox, sont vraiment très, 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 très aimés. Là. Le set que j'ai présentement ici, c'est le plus vendu de tous les magazines qu'on a produits jusqu'à maintenant. Mais parlons-en, là, parce que tu as dit nos détox. Fait que pour un auditeur ou pour une auditrice, bien sûr, qui t'entend pour l'une des premières fois, c'est quoi les détox? Les détox, c'est vraiment juste un gros mot, OK, que souvent on va associer à du jus vert puis des affaires plates. Là. Nos détox, c'est vraiment pas ça. Tu manges de tout. Il y a du pain, des pâtes, des produits céréaliers. Il y a des collations, des desserts qui sont plus santé. Fait que tu manges absolument de tout à ta faim. Tu as un plan alimentaire de 7 jours aussi dans nos magazines. Puis tu as des trucs et conseils aussi pour t'aider dans ta perte de poids. Puis je trouvais ça intéressant. Tu sais, j'ai plusieurs clientes encore. Un matin, j'en ai une qui s'appelle Sonia Sicotte. Je sais pas d'où elle vient au Québec, mais qui m'a dit que... ben moi, j'aime ça lire des témoignages. Je trouve ça super inspirant. Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment aidé à me prendre en main quand je pesais 220 livres. Là. Elle me dit, je voulais te dire que ça fait 2 semaines que je suis tes magazines détox et je me suis délestée de 10 livres. Elle prend les repas que j'aime d'un magazine à l'autre et ça fonctionne quand même. Je me suis fait une liste de collations, je prends celle qui me tente. Là, elle me parle de ses recettes préférées, mais là, ça finit plus de finir. Mais tu sais, déjà là, c'est une personne qui a réussi à prendre un certain goût. Oui. Parce que pour prendre le temps de t'écrire comme ça, de parler de ses recettes préférées, de les changements qu'elle voit, c'est parce qu'elle est dans un bon mood de changement. Puis le magazine a été une partie qui a été précurseur. Puis ils savent aussi, mes clientes, que je suis super accessible facilement. Je réponds à tous les jours, à part la fin de semaine, là, mais je réponds tous les jours aux courriels. J'offre un coaching en ligne tout à fait gratuitement. On paye la livraison. Je veux dire, on bonifie tout ça parce que notre mission, c'est vraiment que le monde m'enchaînement. Puis des témoignages de clientes là, qui ont fait tous les régimes inimaginables dans leur vie, avant ménopause, pendant la ménopause, puis qui n'ont jamais réussi à atteindre un objectif. À un moment donné, ils font comme, bon, j'ai rien à perdre rendu là. Ils vont l'essayer, la détox. Puis c'est le fun, parce que c'est comme là qu'ils vont réaliser que, Moses, hey, j'ai perdu 3 livres en 10 semaines. Puis je me sens bien, je suis contente, puis je me sens pas restreinte. Oui, puis tu sais, la ménopause veut pas... tu sais, oui, il y a les traditionnelles bouffées de chaleur. Il y a plein de symptômes qui varient d'une femme à l'autre, mais souvent des problèmes de sommeil, de l'insomnie, fait que là, les femmes sont fatiguées, puis en suivant la détox, non seulement ils voient un meilleur sommeil, mais en plus, ils ont plus d'énergie, plus de motivation à cuisiner, à bouger, fait que c'est tout un enchaînement qui se fait naturellement. Puis j'ai comme l'impression que perdre 5 livres pour perdre 5 livres, mais avoir 2 semaines absolument horribles à ne pas se sentir de soi-même se respecter tellement qu'on se restreint, versus de « Hey, crime, j'ai pas changé tant que ça, mais j'ai fait quelques petits ajustements, puis je suis sur la bonne voie, j'en ai perdu 3. » Ouais, mais là, présentement, t'es heureuse de le faire encore, puis t'es bien là-dedans, versus le gros résultat du 7-8 livres de perdu, mais où est-ce que t'as passé 2 semaines à te priver, ne pas manger, puis pas vivre à moitié. Là. Oui, puis dans 3 semaines, tu vas avoir repris, au lieu de perdre 10 livres, tu vas en reprendre 15. Oui. Puis là, c'est toujours un cercle vicieux à recommencer, puis tu scrapes ton métabolisme. À un moment donné, c'est ça, ton corps, il est pas cave, il va voir comme, hey, elle me prive, je vais stocker, puis la perte de va être de plus en plus difficile. Fait qu'au lieu de vous lancer régime après régime après régime, vraiment juste de manger plus sainement, de cuisiner à la maison aussi pour votre santé que pour votre portefeuille, là, parce que ça, hein, c'est ce qui est avec l'inflation. C'est cher, effectivement. Fait que c'est juste des bienfaits qui en ressentent les clientes. Puis j'en ai plein de témoignages. J'aurais pu passer la journée à vous en lire, là. Mais... c'est juste, par exemple, bonjour Roxane, ça c'est Lise Poirier. Là, j'ai pas écrit la résidence de la personne. Là. Quelle belle surprise ce matin, 4 livres de perdu avec détox sec. Je dois avouer que j'étais un peu sceptique, puis ça revient souvent. Okay. C'est comme, comment ça je peux manger tout ce que tu proposes dans ton détox, puis perdre du poids? Moi, depuis des années, je me fais dire par les régimes, faut que tu manges le moins possible, puis avec le moins le fun possible pour perdre du poids, tu sais. Ça revient souvent. Fait que je trouve ça tout le temps une petite victoire personnelle quand je lis ça. Donc, elle a perdu 4 livres avec le détox 7. Elle était sceptique. Je n'ai jamais aussi bien mangé. Aucune rage de sucre. C'est normal. Il y a des aliments, des recettes sucrées là-dedans.
Fait qu'elles peuvent continuer à la manger, avoir des résultats, plus de rage de sucre. Donc, aucune rage de sucre et aucune faim ressentie parce que je n'aurais pas assez mangé. Donc, il y en a plein comme ça aussi. Ben, regardez, qu'attendez-vous? Simplement, si jamais vous avez été intéressé justement, que ça vous tente d'embarquer, premièrement, une page Facebook, Roxane Cuisine. T'es très, très, très active toujours de ce côté-là avec de belles idées de recettes, tatati, tatata. Sinon, levez-vous juste la tête ou baissez-vous les yeux tout simplement lorsque vous êtes dans l'un des supermarchés du coin. Elle est partout, même si vous êtes dans le coin presque de Québec, tatati, Roxane Cuisine, elle se rend. Regardez si jamais vous voyez un sympathique magazine. Détox, on est rendu au 7e. Là. Oui, déjà. Détox 7 présentement, disponible dans tous vos grands supermarchés. Roxane Cuisine, encore une fois, merci. Merci. On parle dans 2 semaines. Oui. Salut. La chronique Qu'est-ce qu'on mange vous a été présentée par Roxane Cuisine. Difficile de cuisiner des repas qui sont simples, faciles et qui vont plaire à toute la famille? Catherine Roxane Veilleux vous propose des solutions simples et efficaces pour rendre la cuisine agréable, amusante et plus santé. Son magazine Roxane Cuisine vous aidera à gravir une étape de plus vers l'amour de soi et le développement d'une relation plus saine avec la nourriture.